Wall-M Gym, nos équipements sont pensés pour revenir à l'essentiel de ce que devrait être la mise en forme. On est un gym semi-privé à Québec. Place limitée, effort illimité. Nous sommes là pour vous coacher, vous motiver, vous êtes unique. Wall-M Gym, c'est votre famille, votre lieu de réussite. Notre fierté sera de vous voir réussir. Vous savez, ce qui est le plus difficile pour un athlète comme moi, c'est de toujours être capable de se dire qu'on n'est jamais capable de s'habiller. Peu importe qu'est-ce qu'on choisit, peu importe qu'est-ce qu'on veut. On veut, moi comme personne, j'ai toujours voulu avoir des choses qui étaient belles, qui étaient différentes, qui étaient novatrices, qui étaient originales, qui étaient de qualité. Et j'ai toujours eu de la difficulté à trouver ça et j'ai toujours eu cette frustration-là de jamais être capable d'être à mon meilleur et de vraiment de faire ressortir l'expression même de ce que j'étais. À partir de là, j'ai fait un choix et j'ai choisi de me faire faire des vêtements sur mesure et je suis allé voir des professionnels. Valin. Valin, les professionnels de la confection sur mesure. Bonjour tout le monde, bienvenue au seul propre, le show où on dit les vraies affaires, le seul vrai et unique show où est-ce qu'on ne vous ment pas. Ça va faire un changement de ce qu'on est en train de vous dire par tous ces médias mainstream. À la place de vous faire remplir, ben nous autres, on va vous remplir comme il faut, mais musculairement. Alors bien le bonjour, on est live directement du 1155 Boulevard Amel, le 414. Le Gym Olympe, le seul vrai gym à Québec où est-ce que vous êtes mandataire de vous entraîner pour de vrai. On vous donne des vrais résultats, on s'occupe de vous pour de vrai, on vous donne du service. On parlera pas des autres. Je pense que dans mon industrie, les gens essayent de faire de leur mieux, mais je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire aujourd'hui pour être capable de donner un vrai bon service aux gens, les respecter comme consommateurs puis comme clients. C'est très important. Et le Gym Olympe a ce mandat-là. Alors, bien le bonjour à tous et bienvenue à la deuxième partie de la capsule, le décès des culturistes. Alors, tout simplement, je vais commencer. Je vais vous parler de mes partenaires de travail avec lesquels je fais des affaires. Alors, j'ai Fille du Supplément. Fille du Supplément qui est sur la rive sud, avec David Tremblay. David Tremblay, le fantastique David Tremblay, mon parfait, OK, yes. Alors, je suis allé voir David la semaine dernière. On n'est pas encore des partenaires. On est en train de travailler pour développer de la business ensemble. Mais moi, je vous conseille d'aller acheter vos suppléments chez Feed. Pourquoi? Parce que David, il s'occupe de vous, il vous respecte, il vous conseille. Il n'essayera pas de vous vendre quelque chose que vous n'avez pas de besoin. Alors, 80-35 Avenue de l'Église, 80-35 Avenue de l'Église à Charny. J'ai rendu Lévis aujourd'hui, mais c'est grand un peu, Lévis, là. Okay. Le 418, le 988-3255, le 988-3255. Donc, Fille du Supplément, des bons suppléments à un bon prix, avec un bon conseil, avec un bon conseiller, avec un bon service. Finalement, c'est juste du bon. On aime ça comme ça. Parfait. Deuxièmement, mais si vous n'êtes pas au Canada et vous vous trouvez à l'extérieur, mais surtout si vous êtes au Canada, en Alberta, c'est peut-être loin, mais bon, si vous me dites, mettons, je suis un exemple, je suis en Europe. Alors, à ce moment-là, Frank Allegra. Frank, qui m'a envoyé une vidéo cette semaine, j'étais super content. J'ai eu des nouvelles des gars, j'ai vu que les gars s'entraînent encore, alors Julien puis Frank, salut les gars. Frank, justement, je l'ai pris en note. Je sais que vous autres, les Européens, vous calculez en kilos. Frank m'a envoyé une petite vidéo d'un bench press, qu'il fait dans son club. 210 kilos, c'est 462 livres, c'est un beau bench. Moi, j'ai jamais poussé ça de ma vie. Je vous dirais, moi, je suis excessivement content quand je vois ce genre de choses-là. Je vois que Frank, les gars, vous n'avez pas raccroché, vous travaillez fort, vous continuez à bûcher. Félicitations, les gars, je suis vraiment très, très, très content. Puis ça me faisait vraiment chaud au cœur que Frank Allegra m'écrive pour me dire hey, « Salut, le gros, on t'aime, on se donne des nouvelles, puis on est en contact. » Ça a été une grosse année, ça a été une année difficile. C'est même là, les fêtes, là, c'est parce que les capsules du show du pro sont intemporelles. Mais on est capable d'en parler un peu quand même. Là, le temps des fêtes est là. Et le crise de tabarnak de sti de trou de cul à François Legault, le sti de sale de calice. Excusez, je sais pas, voyons. Je sais pas tout ce que ça sent, excusez-moi, j'ai comme eu une bulle qui m'a poussé dans la tête, en tout cas du moins. Le premier ministre, là, il a décidé qu'il nous refaisait la même niaiserie que l'année passée. Bon, fait que là, si vous commencez pas à vous réveiller, à vous dire que la même Christie d'histoire est toujours en train de revenir pour des raisons aussi obscures qu'imbéciles, je vais dire comme Einstein, répéter la même chose plus qu'une fois en espérant un résultat différent tient directement de l'imbécilité. Alors, observez, chers téléspectateurs, que ce genre de comportement-là vous amène directement à un questionnement. Et si vous n'avez pas de questionnement, vous êtes dans la fosse aux zombies. Et nous, nous sommes à l'extérieur et nous vous regardons essayer de sortir, en espérant être capable d'en sortir plusieurs d'entre vous qui finiront par avoir un éveil. Parce que ça prend beaucoup de courage pour ça. Et moi, je vous souhaite ça.
En tout cas, du moins, ça a été une année qui a été très difficile. Donc, Frank, moi, propriétaire de commerce, tous les entrepreneurs au Québec, ça n'a pas été facile. Donc, du moins, je vous dirais, je suis toujours content d'avoir des nouvelles de mon monde. Alors, Frank Allegra, je t'aime, je te salue, je suis très content. Vous voulez avoir des nouvelles de Frank, savoir comment ça marche dans son pro shop, c'est westside.nutrition@gmail.com. westside.nutrition@gmail.com. Excellent. C'est le 1 place Boutou 05004. C'est dans le département des Alpes, le 05, tout simplement. OK, excusez-moi. Il y a aussi de mon côté à moi, j'ai le site internet www.marcantonegrondin.com, le www.marcantonegrondin.com. Vous pouvez écrire là-dessus, faire des demandes, aller regarder des programmes, des protocoles de stéro, des protocoles de nettoyage, des protocoles de retour. Il y a beaucoup de matériel là-dessus. Je suis un gars qui est très ouvert à ça parce que dans notre sphère sportive, il faut quand même être capable de s'admettre que des choses qui se font, de ne pas se fermer les yeux. Hein, parce qu'il y a toujours une grosse différence entre ne pas savoir et ne pas vouloir savoir, comme ce que vous voyez en ce moment. Hein, la gang d'aveugles qui veulent pas savoir, là. « Ah non, moi j'ai une belle vie, tout va bien, j'ai un passeport vaccinal. » Tu te demanderas à quoi il sert aujourd'hui si tu sais que même si tu as 80 pic-pic dans le cul, tu peux le donner à tout le monde, puis le gars qui en a pas peut le donner quand même. Vous vous demanderez voir le power control, il se fait où? Commencez, s'il vous plaît, je vais vous le dire juste une fois, là, pour fermer l'année, là. Je vous souhaite un joyeux sapin et je vous souhaite hostie calice de vous réveiller, hostie peuple de vers de terre, que s'il vous plaît, faites quelque chose. J'ai l'air incisif et déplacé, là, mais je peux, au champ du prof, on est encore capable de vous demander la vérité et faites quelque chose en ce sens-là, s'il vous plaît. OK, donc du moins, on revient pour être capable d'avoir accès au site. Beaucoup de matériel en ligne. Le courriel est là, je suis pas dur à rejoindre. Le info à commercial marcantonegrondin.com. Le info à commercial marcantonegrondin.com. Vous me rejoignez facilement. Souvent, je vous dirais, je donne des nouvelles entre 24 et 48 heures. Je suis assez fast-track là-dessus. Donc, nous sommes live directement à ce moment au 3055 Boulevard Amel, le 414. Le Gym Olympe, directement pour nous rejoindre, vous faites le 418-204-8246. Le 204-8246. Faites le 1 à l'extérieur de la région de Matane de Québec. Sinon, vous faites le 00 parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vous pensez voir. Excusez-moi, je vais le refaire. C'est peut-être que vous pensez que voir, c'est croire, mais voir, c'est savoir. OK, right. Fantastique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bien des affaires, ça. Un petit coucou particulier aujourd'hui à une petite demoiselle de la Belgique, Anne-Sophie Calais, qui a eu une petite année qui a été assez rock'n'roll. Alors moi, je te conseille de reprendre ton training, de faire tes affaires. J'ai donné une couple de trucs, j'ai encore parlé avec elle aujourd'hui. Alors Anne-Sophie, je te salue, puis je vous conseille de vous tenir en santé. Tous les gens de l'Europe, tous les gens du Canada, tous les gens du Québec, toute la francophonie, jusqu'en Tunisie, au Maroc, etc. S'il vous plaît, tenez-vous en excellente santé. Nous devrions être capables d'aller beaucoup plus loin ainsi. Et ayez la droiture de vos convictions, s'il vous plaît. Parfait. Deuxièmement, ensuite de ça, ben, je vous dirais, vu que moi, depuis un an et demi, moi, je crois pas à ce genre de cochonnerie-là, mais ce que j'ai vu... Instant, pardon, c'est-tu le bon gars? Oh yes, salut le gros, ça roule, man! Yes, yes, yes! Je vous dirais, ce que je suis capable d'observer, c'est que moi, depuis un an et demi, du monde qui a eu ça, le COVID, j'en connais pas. C'est malade, hein? C'est, des gens qui ont été vaccinés, qui ont eu des problèmes, ça, j'en connais, man. Tu sais, du zona, des thromboses, des phlébites, puis j'en passe, là, OK? Des problèmes de cœur. Une fille de 24 ans qui est rendue avec des pelules pour le cœur. Mais là, je le sais, je la connais. OK, ça, j'en ai vu plein. Du monde, par contre, qui ont eu ça, j'en ai pas connu. Ça fait un an et demi, moi, je suis entrepreneur, je ne l'ai pas connu. C'est fou pareil, là. C'est rendu, il faut que je les cherche. Donc, moi, j'ai un de mes clients qui m'a écrit et lui, il l'a eu. Bon, alors, c'est mon premier en un an et demi. Ouais, on va faire un happening, la 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 la. On va se faire une fête, tout le monde, on va s'applaudir des mains. Ah, si, on a fini par en trouver un. Bon. C'est-tu bien pour vous dire qu'on se demande quasiment si ça existe, si. On a un test, pour vous dire qu'il est positif, on sait même pas pourquoi. L'autre jour, il y a un gars qui a checké sur Internet, qui a fait tester positif un jus d'orange. Je sais pas où ce qu'on s'en est. Mais des fois, je me le demande. Je vous résume. Je te fais ce petit mail pour te donner un peu de nouvelles. Je ne vous dis pas son nom. Alors voilà, il se trouve que de mon manque de chance et celle de mon épouse, nous avons la C19 en ce moment. Nous souffrons tout simplement de la forme la plus sévère. Écoutez-moi bien ça. Avec tous les symptômes possibles, heureusement, nous avons pu avoir les traitements qu'il fallait. À l'heure où je te parle, je vais de mieux en mieux, dans un peu, beaucoup mieux. Mon épouse, elle, est encore un petit peu affaiblie. Je vous parle de gens de 67 et 63 ans environ. Environ, OK? Bon, ça, il va falloir attendre encore un peu. Donc, pour conclure et partager mon expérience de la C19, alors je vais vous en parler, ça ressemble beaucoup à la grippe. OK, parfait. Même s'il y a tout de même des différences, on voit bien que ce truc n'est pas naturel. OK. Donc, le gars, ça fait 67 ans qu'il vit, puis il a déjà eu ça à grippe, puis il trouve que c'est bizarre. Et aussi, j'ai eu au moins deux fois dans ma vie, des grippes très sévères dans ma vie,
et beaucoup plus méchante que celle-là, soit dit en passant. Il dit aujourd'hui, je vais très bien, là. Lui, il considère que cette cochonnerie-là fabriquée en laboratoire est pas plus létale que de la pisse de nouveau-né. Le gars, il a 67 ans, il tousse un peu, il a mal à la tête, il est resté chez eux, puis ça a passé deux jours. C'est à peu près ça. Bon. En tout cas, du moins, pour le moment, je m'occupe de madame. J'espère vite retrouver la sensation pour reprendre l'entraînement et me sentir mieux. Alors, voici mon ami, petit retour d'expérience. J'espère que tout va bien pour toi. La lutte continue. Je te souhaite une belle fin d'année et des belles fêtes avec ta famille. Oui, mais en qu'on va fêter avec la famille. Et oui, mais en que je vais m'inviter du monde. Et oui, mais en que je vais faire des parties. Et oui, mais en que je vais me gâter. Puis je vais m'inviter 10, 20, 600 si je veux chez nous. OK? Parce que c'est pas le trou de cul à Legault qui va venir me dire qu'est-ce que je vais faire chez nous. OK? Puis vous devriez tout faire pareil. Dans vos bureaux, partout où est-ce que vous êtes. Hein? Vous avez envie de vous réunir, festoyer, réveiller. Hein? Continuez. Hein? Arrêtez de penser que vous allez mourir parce que vous vous réunissez 12 autour d'une dinde. OK? La seule dinde dans la pièce, c'est vous autres. OK? Réveillez-vous. Bon, OK. Alors, on continue avec le décès des culturistes. J'ai le culturiste numéro 26 ici. C'est pas tout le monde qui le connaît. Il s'appelle Greg Plitt. Moi, je le connaissais pas. Personnellement, bodybuilder et acteur. Un beau garçon, d'ailleurs. Il a été retrouvé mort samedi le 17 janvier. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme de 37 ans se trouvait sur des rails de chemin de fer. Non, non, mesdames et messieurs, il n'était pas en train de vouloir se suicider. C'était pas l'idée du tout, là. C'est que souvent, il montrait des exercices. Je sais pas trop c'est quoi le trip, là. J'ai pas tout à fait compris. En tout cas, le gars, c'est l'homme de fer, là. Il s'installe ses rails de chemin de fer, là. Puis il est en enfer avec le fer. En tout cas, peu importe. Traduisez-le comme vous voulez, là. Ah, les gars, du moins. Toujours est-il que. C'est con comme accident, mais il aurait été percuté par un train. C'est un coup pour rien. Non, mais c'est parce que quand j'ai lu ça, j'ai fait comme, ben voyons, c'est... Hey, t'es sur une rail de chemin de fer, t'entends ça venir à 2 km, me semble, ça vibre, là. Tu sais, à un moment donné, il y a le monde te filme en main, ils disent, hey, le train, tu sais, il y a quelque chose, là. J'ai pas compris. En tout cas, star du show télévisé de la chaîne Bravo Workout, Greg Plitt a été très populaire dans le monde du bodybuilding, outre ses activités de professeur, d'acteur, d'animateur, de branleur. Ça, c'est une joke. Greg Plitt avait signé quelques contrats dans le mannequinat. Un beau garçon, il paraissait bien. Bon, en tout cas, c'est un des rares qui n'est pas mort par stéroïdes. Il est peut-être plus mort, soit de cupidité ou d'imbécilité. C'est un des deux. Bon. Moi, sérieux, mourir sur une traque de chemin de fer, frappé par un train, je ne sais pas si tu te drogues au point que tu te rends plus compte de tout ce que t'es, mais les gars, il faut se parler. Allez, go. Donc, du moins, Greg Plitt, décès numéro 26. Numéro 27, vous le connaissez, c'est John Meadow. John Meadow qui a eu beaucoup de problématiques physiologiques. Il y a eu des call-outs, ce gars-là. Il y a eu des problèmes de foie, d'intestin, de digestion, de cœur. Il y a eu plusieurs avertissements à John Meadow. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a écouté? Je pense que c'est comme le gros con à Nick Walker, tu sais, que le monde en parle aujourd'hui comme si c'était un phénomène. C'est pas un phénomène. C'est un gars de 21 ans qui se crisse 150 000 dans le cul par année. Il n'y a pas de génétique, c'est pas un phénomène. Tu sais, on n'est pas en train de parler, exemple, de Arnold Schwarzenegger. On n'est pas en train de parler de Dave Draper. On n'est pas en train de parler de Serge Nubret. On n'est pas en train de parler de Flex Weller. On n'est pas en train de parler de Sean Ray. On parle pas de phénomène, là. OK? On parle pas de ça, là. OK? Ça prend... Tu sais, un génétique, t'as ça ou t'as pas ça. OK? John Meadow, la mort inattendue du célèbre bodybuilder à 49 ans. J'ai 49 ans. OK, a eu un choc pour sa famille. Bodybuilder professionnel. John Meadow est décédé hier, très populaire sur les réseaux sociaux. L'Américain de 49 ans s'est éteint paisiblement. Au moins, si le gars n'a pas souffert, je suis bien content pour lui. John Meadow comptait plus de 35 000 abonnés sur son réseau social et est mort le 8 août, dimanche, le 8 août 2021. Attendez un peu, est-ce que l'écriture est bonne jusque-là? Je poste ceci au nom de Mary qui est sa femme. Ce matin, John est décédé de façon inattendue. Donc, je vous dirais que ça reste toujours beaucoup plus obscur que d'autres choses. Okay? Depuis plus de 30 ans, il avait fait ses débuts dans l'univers du bodybuilding, dès l'âge de 13 ans en 85. En 2005, on lui a diagnostiqué une maladie rare au côlon. Alors, il est retourné en compétition quand même en 2007, arrivant en 16e place au championnat Nord-Amérique. Puis, attendez un peu, il y a du monde, des fois, ils vont dire « Ouais, 16e, c'est pas bon. » Non, non, t'as peu, là. Quand t'es rendu à Nord-Amérique, là, ça veut dire que c'est toute l'Amérique du Nord qui compétitionne. Il y en a de la shape, là. Tu sais, le gars fait un top 20 en Amérique du Nord, là, va dire « Un enfant, tu l'as à côté de toi dans le gym, je pense que tu fermes ta gueule. Tu créeras pas ce qu'il y a de l'air. Okay? » en 2020, il a été hospitalisé par un caillot sanguin, mais en est ressorti. C'est ce que je vous disais, il y a eu
plusieurs avertissements qui l'ont amené jusque-là. Malheureusement, le Mountain Dog John Meadow est décédé et aujourd'hui, on ne le reverra pas. Il laisse dans la tourmente ses enfants et sa femme. Malheureusement pour lui, culturiste numéro 27, John Meadow. Ciao, bye, man. Numéro 28, bodybuilder George Peterson à l'âge de 37 ans. OK? Donc, George Peterson was reportedly found dead in a Florida homeroom hotel. Tribute are poured in for U.S. bodybuilder George Peterson after he was reported found dead in the hotel room in Orlando. Décédé dans sa chambre d'hôtel à Orlando, Florida, was due to compete in Mr. Olympia. C'est pas compliqué, il était supposé compétitionner cette année en 2021 à l'Olympia. Ben, il a jamais fait le show, ils l'ont trouvé mort dans sa chambre d'hôtel. 37 ans. Le gars, il s'est endormi puis il s'est plus jamais réveillé. Et voilà. Cause of death has not been revealed. Donc, pour l'instant, ils ne savent pas vraiment. Bon, moi, je vous dirais, écoutez, moi, je n'ai pas à chercher bien loin. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est tellement rendu, je vous dirais, c'est tellement rendu ridicule qu'on ne sait même plus si on parle de sport. Moi, je pense plus qu'on va parler de pharmacocinétique ou de pharmacodépendance. Attendez un peu. Bon, on a essayé de le rejoindre par texte, ça n'a pas fonctionné. On l'a appelé, ça n'a pas fonctionné. On l'a retrouvé dans sa chambre d'hôtel à pleine face, sur le sol. Donc, de façon informelle, well, no cause of death has been confirmed. Peterson and the second bodybuilder to pass away just before being set to a compete in competitions. Donc, effectivement, oui, le gars, c'est pas le premier qui meurt la journée d'un championnat. Tu sais, je vous dirais qu'il y a plusieurs années, quand j'ai commencé à compétitionner, on sélectionnait des gens qui avaient des physiques, des lignes, des génétiques. Tu sais, quand tu as un bon génétique puis tu mets de l'octane dedans, il se produit quelque chose. Mais quand tu es un ordinaire puis ça te prend un maximum de produits pour avoir un physique, ça veut dire que tu n'es pas bon. C'est pas grave si tu fais pas l'Olympia, c'est pas grave si tu fais pas de stage. T'sais, mais ce qui est grave, c'est de pas être capable d'avoir assez de jugement à un moment donné pour se dire qu'il y a une limite qu'on ne doit pas franchir. Et aujourd'hui, dans le sport, la seule chose qu'on nous prouve, c'est qu'on est capable de fabriquer des mutants, puis fabriquer des cochonneries de sportifs qui ont plus rien à voir avec l'effort. Plus rien, là. Moi, je m'excuse, ces gars-là m'impressionnent pas. Pas deux minutes, là. Ah, t'as-tu vu tel gars dans tel gym s'entraîner? Hey, man, avec ce qui se met dans le derrière, là, je vais être franc avec toi. J'espère qu'il pousse. C'est moi, une paire de seins, là, dumbbell press incliné 45 degrés, je fais des sets de 25, là. J'espère que le gars, puis j'étais à quoi, 2,17, 2,20, j'espère que le gars est capable de me driver ça les doigts dans le nez, là. Sinon, il quoi, il dépose, il est rendu à 10, puis c'est ça. C'est pas un athlète, ça. C'est pas un athlète, ça, c'est un con. OK? Puis les gens qui vont encourager ça, c'est encore pire. Puis le promoteur qui rentre là-dedans, c'est encore pire. Hein, on fait quoi aujourd'hui? On a vendu un sport aux gens en leur disant l'image de ce que c'était. On a perdu l'essence même de ce que c'est. Un vrai show de bodybuilding, là, c'est pas le nombre de billets que tu vends qui est important, là. T'as une pièce avec quatre juges, on est 100 athlètes, et y a pas de musique, y a pas de show, y a pas de boucan, y a pas rien de ça. Tu t'en vas présenter un physique, te comparer avec les autres, avoir un résultat, une note, and you just quit the fucking place, man. OK? C'est ça, un championnat de bodybuilding. Ça n'a rien à voir avec le monde dans la salle, puis les commanditaires, puis toute la cochonnerie qui vient avec, hein? Qu'on vous vend du monde, là. Oh, la belle madame, là, oui! Non, c'est parce que tu ne l'as pas vu il y a 3 ans, là. T'aurais pogné un os. Puis t'en vois pas quand elle se lève le matin à 2 semaines d'un championnat. T'as mal au cœur. Puis le gars, lui, qui se ramasse sur un stage à 22 ans, à 250 livres collés, je te jure, si tu le regardais à loupe, là, il a le cul comme une passoire. Tu créerais même pas à ça, c'ti. Tu sais, à un moment donné, là, excusez, j'ai l'air rude un peu, là, mais personnellement, à un moment donné, écoutez, là, moi, je suis un utilisateur de stéroïdes, puis j'ai pas l'air de ça. Je sais pas ce monde-là font quoi, là, mais ils font quelque chose qui les amène directement à la mort. Puis rendu là, si c'est tellement important que ça pour en mourir, ben écoutez, je pense que vos valeurs sont peut-être pas aux bonnes places. Honnête. Culturiste numéro 28, George Peterson. Passed away, die man, bye-bye. 29e culturiste, Nazer El-Sombati.
Décès le 20 mars 2013 au Caire, en Égypte. Rupture de rein. 47 ans et né le 15 octobre 65 en Allemagne de l'Est. Un gros bonhomme. Un gros bonhomme qui compétitionnait. Je vais vous le sortir, je les ai tous ici. Je vous ai répertorié aussi les plus gros bodybuilders jamais vus. Juste pour vous donner une idée des fois. Là, il y en a, ils pensent que c'est gros, parce que si vous l'aviez à côté de vous autres, voyons, ma Christy de page, elle veut rien savoir. Monsieur le régisseur, ça arrive que je m'enfarge dans mes pages, comme vous, vous vous enfargez quand vous parlez, parce que vous manquez de culture, vous êtes un communiste syndiqué socialiste barbichette. Fait que restez dans votre chambre hyperbare, puis crissez-moi patience, excusez-moi. Hein? Mais non, mais c'est moi qui déplie, c'est tout. Vous êtes payé. Bon, mais vous êtes quoi? C'est le million des artistes, mais restez là. Si vous avez un commentaire élogieux, je vais le prendre, par contre. Ouais. Attendez un peu, je vais vous le trouver. Nazaire, 5 pieds 11, 279. Hey, c'est malade. T'as ça sur un stage à côté de toi, 5 pieds 11, 280. Hey, ta minute. Hey, on parle plus d'un homme, là. T'es sérieux, là, tu le prends, là, tu l'euthanasies, puis tu vends ça à livre au tiers-monde, s'ils peuvent manger pendant 2 mois. C'est pas des jokes, là. T'sais, c'est du bœuf arménien, là. C'est de la qualité numéro 1. Bon, je sais pas ce qui va arriver quand vous allez en manger. Il va peut-être vous pousser un bras dans le front. Je sais pas trop, les gars. Vous allez muter. Vous savez pas trop. Bon, les gars, du moins, malheureusement, quelqu'un qui est disparu encore parmi les autres. Alors, Nazaire El Sambati, 29, died, passed away. Dave Draper. Dave Draper, qui est un culturiste des 70s Gold. OK, legendary bodybuilder Dave Draper passed away at the age of 79 years old. 79 ans, l'icône du bodybuilding, Dave Draper. The blonde bomber, il l'appelait la bombe blonde. OK, yes. Dave Draper moved out to Santa Monica, California to train alongside bodybuilder legends such as Arnold Schwarzenegger, Frank Zane, Franco Colombu. Alors, c'est un gars qui a déménagé dans ce coin-là pour travailler avec ces gars-là. Oui. His most famous piece of work remains his book untitled Iron Brothers Sister Steel. Donc, il a écrit un livre là-dessus, un ouvrage. C'est une des plus belles choses qu'il a laissé en arrière de lui. Sa femme survit à son décès. Sa femme s'appelle Larry. Et la cause de son décès est encore aujourd'hui assez méconnue. Mais bon, un gars qui a commencé à compétitionner très jeune dans les années 60 est mort pratiquement à l'âge de 80 ans. Ben, ça se peut, ça se peut. Et malheureusement, une super belle ligne, un physique incroyablement intéressant à regarder, des belles lignes harmonieuses. T'sais, l'idée même de ce que c'est que le culturiste. Numéro 30, culturiste, passed away, died, Dave Draper. Victor Richards. Il y a du monde qui le connaisse pas, lui. C'est pas un gars qui a fait beaucoup de championnats. C'était un monstre. Ce gars-là, là, il était huge. C'est pour le temps, là. Moi, je me rappelle d'avoir vu des premières photos de Victor Richards au début des années 90, ben, milieu 90. Puis, c'est pas le gars qui compétitionnait beaucoup. OK? Victor Richards, il est né en 64 au Niger. Victor Leonie Richards, OK, passed away at the age of 56 years old, OK, est décédé le 10 novembre 2021 à l'âge de 56 ans. Est né le 15 septembre, attendez un peu, ouais, 15 septembre 64. En moyenne, le gars, en moyenne, son gabarit, c'est 5 pieds 10, 370. Vous avez très bien compris ce que je viens de vous dire. Un monstre. Puis ce gars-là, je pense, si je me rappelle bien, attendez un peu. Attendez, je vais regarder, je sais pas d'autres données là-dessus. Ouais. Dans ce que j'ai lu sur ce gars-là, je pense qu'il a fait un ou deux championnats. C'est un gars qui ne compétitionnait pratiquement pas parce que pour lui, il était excellent. Puis il n'avait pas à aller se comparer avec les autres. Ça ne l'intéressait pas. C'est un genre de phénomène, un peu comme si Dieu avait touché ce gars-là du doigt. Tout simplement. Un phénomène outstanding. Je me rappelle, on le regardait dans les revues, nous autres, quand on était beaucoup plus jeunes. Puis on trouvait donc, ça n'avait aucun bon sens. Je regardais ce gars-là, bien monstrueux. Bon, tu vas me dire, les gars, il a pris de la sauce. Il a pris, t'as peu, là. Tu sais, pour que tu sois capable, comme ça, normalement, de tenir un poids, mettons, ne serait-ce que de 300 livres à 5 pieds 10, 11, excuse-moi, t'as la structure qui vient avec. Je ne sais pas ce qu'ils ont donné dans son village au Niger, là, mais il n'a pas mangé de la corneille. Là. C'est pas ça qui s'est passé, là. Okay, le gars, c'est un phénomène en tant que tel. Alors, malheureusement, le culturiste numéro 30, Victor Richards, just passed away. 31. Peut-être plus méconnu, Steve McCulloch.
Ceux qui connaissent le bodybuilding connaissent ce gars-là. 1980, déclaré tumeur au foie, problème de rein. Fêlure au cœur, 2011, transplantation de rein. Décède à 63 ans. Abusé de stéroïdes au maximum, s'est finalement suicidé en 2012. La détresse psychologique que les stéroïdes peuvent apporter à certains types d'athlètes, qu'on entend souvent que « j'ai monté comme ça, je pensais que j'étais Dieu et je suis redescendu pour l'accompagner jusqu'au fond de ma tombe. » OK? C'est souvent quelque chose qu'on a. J'ai eu un down après mon cycle, j'ai eu un... C'est parce qu'il y en a que ça affecte plus que d'autres. On n'a pas toutes la même capacité, malheureusement. Malheureusement. OK? Donc, vous pouvez être un bon athlète, connu, une bonne personne. T'sais, les choix que vous faites, vous en êtes tributaire. Oh, Charlie Brown! On n'a jamais dit qu'on était d'accord avec ça. Par contre, de l'autre côté, il y a des choses qu'on est capable d'observer. Je crois que le gros bon sens et l'équilibre resteront toujours de mise. Phénomène intéressant. Numéro 32, Flex Waller. Lui, il n'est pas mort. Mais Flex Waller est un bon exemple de démesure. Flex Waller, quand vous regardez le reportage du King sur Netflix, et c'est Ronnie Coleman qui en parle, Ronnie Coleman est capable d'avouer que le premier Olympia qui a gagné, quand il était sur le stage avec Flex Waller, c'est pas à lui qu'il donnait, c'est à Flex Waller. Flex Waller est, d'après moi, le gars qui a développé les meilleures rondeurs, le meilleur physique, le meilleur esthétique, le meilleur balancement. C'est un gars qui avait un physique, je sais pas comment vous le dire, c'était parfait. C'était parfait. Mais c'était tellement parfait que le gars s'est fait greffer deux fois un rein, puis il a fini par faire une thrombose dans un mollet, puis il s'est fait couper une jambe. Ouais. Ouais. Je sais pas trop quoi vous dire rendu là. Aujourd'hui, je pense que le gars, s'il avait la capacité de reculer de 20 ans en arrière, de retrouver sa jambe, puis d'arrêter de se doser comme un câble, je pense qu'il l'essayerait. Mais malheureusement, je vous dirais que même aujourd'hui, dans l'élitisme sportif, c'est ce qu'on voit. Souvent, vous avez des sportifs qui développent des skills hors normes, lancer du javelot, du marteau, athlétisme, etc. Et ces gens-là sont souvent tellement en santé, poussent tellement la machine trop loin qu'ils en meurent. Ça aussi, c'est observable. C'est pas juste l'abus de stéroïdes. On a remarqué ça dans les sports d'élite. Souvent, les gens poussent tellement la machine qu'ils l'amènent au seuil de décrépitude, génétiquement non pensé. T'es pas destiné pour aller jusque-là. Tu sais, je suis dans ma voiture, puis je mets un moteur, puis je mets un booster, puis je mets de l'octane. Pis... Bon, à un moment donné, tu le bats, pow! La tête de moteur, elle saute. Ouais, ça, c'est de la mécanique, ça se remplace. Un être humain, ça se remplace pas. C'est ça. Gros problème. Je vous compte une petite joke vite comme ça là-dessus. Le gars, une Mercedes, s'en va au garage pour la faire arranger. Alors, rentre la voiture à l'intérieur du garage. Le garagiste fait le tour de tout ça. Le garagiste va voir le gars. Il demande, toi, tu fais quoi dans la vie? Il dit, moi, je suis cardiologue. C'est pour ça que tu te payes un char de même. Ça reste comme ça. Le gars retourne l'autre bord, taponne son char. Il revient dans la salle d'attente. Il dit, je comprends pas, moi. Il dit, comment ça se fait? Il dit, moi, je fais le même job que toi. Il dit, moi, je guéris des moteurs. Moi, je retourne ça comme il faut. Moi, je répare des mécaniques. Moi, je répare des moteurs. Je répare des choses qui sont vivantes et fonctionnelles, un peu comme toi. Tu sais, toi, tu répares des moteurs. Moi, j'en répare. Dis, pourquoi toi, t'es payé 400 000 par année? Puis moi, j'ai de la misère à me sortir un 80. Alors, le cardiologue de lui répondre avec un sourire en coin, tu gagnerais le même salaire que moi si t'étais capable de le réparer pendant qu'il marche. Hein? C'est une petite blague intéressante. Et voilà. OK. J'ai répertorié pour vous les culturistes les plus gros jamais vus, juste pour vous donner une idée jusqu'où qu'on s'est rendu. Alors, je vous les nomme en ligne. OK? Dennis Wolfe, 5 pieds 11, 258. Dennis James, 5 pieds 8, 260. Jay Cutler, Dorian Yates, 5 pieds 10, 260. Rowley Wrinkler, 5 pieds 8, 265. Jean-Pierre Fuchs, 5 pieds 11, 275. Nasser El Sombati, 5 pieds 11, 279. Zach Kahn, un gros Christ de Domé que vous avez jamais entendu parler, là. 6 pieds 280. Marcus Roule, 5 pieds 10, 280. Paul Delette, 6 pieds 1, 285. Lou Ferrigno, 6 pieds 4, 285. Gunter Schlurkamp, 6 pieds 1, 297. Ronnie Coleman, 5 pieds 11, 300. Big Vomi, 5 pieds 11, 316. Et Craig Kovac, 6 pieds 4, 330. Je sais pas jusqu'où il faut aller.
C'est une bonne question, mesdames et messieurs. Au chaud, t'es proche, encore de vous. Je suis encore capable de vous parler de démocratie. Je vous dis pas que pour le sport, c'est pas ça. Ce que je vous dis, c'est que la faute revient toujours à ceux qui encouragent ça, comme le trafic d'esclaves humains. Hey, on vend des filles sur le marché de 12 à 14 ans qui se font ramonner, c'ti, 20 fois par jour par des gros sales, puis des pédos. Pourquoi? Parce qu'il y a de la demande. Ah oui, il y a des jeunes, mais... Tu sais, un gros dégueulasse, là. Ben, à peu près comme vous, monsieur le régisseur, là, avec des barbes dégueulasses, pis un saut, pis c'est... moi, qui lis chez Colin, pis sa barbe, t'sais, genre, là... Peut-être que c'est bon avec votre femme, mais c'est une autre histoire. Mais du moins, je peux vous dire une chose, c'est que il y a de la demande. Alors, les gens veulent quoi? Les gens veulent voir des joueurs de football plus gros, des gars qui courent plus vite, des athlètes plus puissants. On veut toujours voir plus, 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 plus. Le plus, à un moment donné, amène tout simplement un non-plus-value. C'est ça le problème. Tu sais, on perd la perspective. Regardez aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Regardez la pornographie aujourd'hui. Hein, dans les années 70, tu voyais deux personnes couchées sur le côté avec un peu de poil, là, puis... Ah, bon, c'était ça. Bon. Hey, aujourd'hui, là, ça n'a plus d'allure. Ça se vomit d'en face, ça se pisse dessus, ça se crache dans la gueule. Ça... Ah, écoutez, tu sais, je sais pas, là. We're on the brink of extinction. C'est comme la toune de Napalm Death. Tu sais, on a atteint un seuil, là. Tu sais, à un moment donné, là, on tape le mur, là. Tu sais, on perd nos valeurs, on perd le focus. Tu sais, c'est rendu qu'un gars sur un stage, 5 pieds 7, 197, bon, il est pas gros. Hey, chose, attends une minute, là. Là, c'est rendu de la débilité. Tu sais, le culturiste, c'est pas juste une question de grosseur. C'est une question de balancement et d'esthétique. Flavio Bacciani, tu sais, 5 pieds 1, 140. Tu sais, tu vas dire, ouais, hey, tu l'as à côté de toi, tu capotes, il est taillé au couteau. D'ailleurs, j'ai une photo dans mon ordinateur très intéressante. J'ai Flavio Bacciani à côté de Lou Ferrigno sur le même stage. Fait que Lou Ferrigno, qui est monstrueux, il y a 100 livres de différence, il y a 140 livres de différence. C'est deux culturistes excellents. Spécial à voir. OK. Certains culturistes aujourd'hui sortent un peu plus et commencent à penser que le ridicule ne paie pas. Fouad Abid, announcing retirement from bodybuilding. Fouad Abid, qui est un culturiste montréalais, a officiellement annoncé son retrait de la compétition sportive du bodybuilding. Il considère que, en ce moment, the recent string of death and bodybuilding as tragic as a bringing to light some issues that might be present in the sport. Donc, on met en lumière des choses en ce moment qui sont en train de se produire et ça devient apeurant. Fouad Abid parle de George Peterson et de Sean Roden. Il a pris cette décision-là récemment pour plusieurs raisons. Pour avoir plus de focus dans l'aspect de sa santé. Hey, on va regarder les innocents en arrière qui continuent à faire de la sarcoplasmie, là, puis à vous vendre l'idée que vous pouvez être gros de même, là, puis si vous prenez du Megamas 4000, là, ben en 2 semaines, vous allez prendre 400 livres. Hein, comme si ça avait de l'allure. Coudonc, votre jugement, vous l'avez mis où, là? Hein? C'est comme quand on vous dit là, que la COVID-19 tue des centaines de millions de personnes et vous n'êtes pas capable d'en trouver un depuis un an et demi dans votre entourage. Puis là, on vous dit là, que c'est tellement dangereux là, que c'est épeurant. Alors là, vous êtes chez vous, vous voulez même plus sortir et vous savez même pas de quoi vous avez peur. Le jugement des êtres humains, je ne sais pas ce qui s'est passé sur Terre dans les derniers 20 ans, là, mais on a un problème. Le jugement des gens, s'arrêter à se questionner, s'arrêter à GBS gros bon sens. Ça a-tu de l'allure que ça coûte 200 000 par année ce montant physique? Puis il y a un côté très sombre à ce sport-là. Le gars ou la fille qui s'entraîne 2 fois par jour, à l'année, culturiste, professionnel, tu gagnes pas ta vie avec ça, je le sais, très peu de gens dans ce monde-là ont fait ça, en gagner leur vie. OK? Je peux vous en nommer au pire 5-6 hommes-femmes. C'est très rare, très rare. Les autres, ils ont fait quoi? Tu suces qui? Tu fourres quoi? Tu vends quoi? There's a dark side to this sport. Hein, moi, j'ai un sugar daddy. Hein? OK, fait que toi, pour avoir la shape que t'as sur le stage, c'est ça? Hey! OK, ou je suis gigolo, ou je suis une escorte,
où je fais des photos érotiques, où je suis sur OnlyFans, si, sur Instabit, là. Puis je suis là-dessus, puis je me vire la botte, là, ouh, puis il y a des caves qui payent pour ça en plus, hein? T'es même pas capable de demander à ta femme de te faire un show de cul chez vous pour avoir le bonus, mais t'en regardes la connasse dans TV. T'sais, excusez, là, à un moment donné, là, on arrête, là. T'sais, dans ce monde-là, il se fait des choses qui ont ni queue ni tête. T'sais, que les gens adhèrent à ça, là, pis c'est comme un genre de fanatisme religieux. Hein, le potentiel sectaire au Québec est très élevé, hein. Ben, ce qu'on peut voir sur la planète Terre, le potentiel des gens à qui on va leur dire « tu vas te monter un physique », là, ils deviennent complètement, complètement débiles. Il n'y a plus rien qui compte, là. Plus rien, là. Mais si tu continues, tu vas crever en ma chier. Sacrement. Hein? Tu réalises-tu que tu te mets une Corvette 06 avec une maison à 500 000 dans le cul à tous les années? Puis t'arrives, toi, tu débarques de l'aéroport pour aller faire ton show avec ton linge comme la chienne à jambes, t'as de la misère à faire 10 pas sans être essoufflé. Pis t'as un char d'il y a 20 ans, pis t'habites d'un 2,5 avec des coquerelles, est-ce-tu, parce que t'as pas une crise de scène? Hein, comme Kay Green. Hein, Kay Green, n'entendez-vous parler? N'entendez pas parler. Premièrement, il a une attitude de cave. Deuxièmement, c'est pas parce qu'il a un bon physique. C'est pas parce qu'il a un mauvais physique, ce gars-là, là. C'est ce qu'il y a en général. Comme Terrell Owens. Ah, c'est qui, ça, Terrell Owens, coach? OK. Terrell Owens, c'est un joueur de football professionnel de la NFL. Un des meilleurs receveurs de passe que vous avez jamais vu. Le gars, c'est un mangeur de marde. Personne ne veut travailler avec. Ah, il est super bon. Ouais, mais lui, il reprend le coach, il reprend le joueur, il dit au monde qu'ils sont pas bons, qu'ils sont pourris. Il y a lui qui est bon, il n'y a pas d'autre chose, il y a juste lui. Dis-moi, vous dire une chose, à un moment donné, peu importe t'es qui, à un moment donné, il faut que tu sois capable d'être l'amalgame d'une société et à l'égal des autres. Et que quand tu fais quelque chose de bien ou de différent ou de outstanding, les gens te le disent. Ce que tu vois aujourd'hui, c'est grossier. Moi, aujourd'hui, le monde me parle de culturisme moderne. Je suis même tout ça. J'ai pas l'intérêt de ça. T'sais, moi, l'intérêt que j'avais, là, moi, ça s'est arrêté à peu près milieu des années 90 quand on a vu l'apparition des Monster Mass. T'sais, moi, passer ça, à un moment donné, sont gros, ben voici le gros nouveau. Là. C'est tout. Il n'y a pas de plus spécial. Il n'y a rien de spécial. Il est gros. OK? Il est juste soufflé. Puis plus ça va, puis plus ils sont soufflés. Ben, c'est quoi que vous voulez? Là, vous avez un show qui n'est pas authentique. C'est ça que vous avez, là. T'sais, vous avez un show de mensonges, hein, comme le COVID show. C'est un mensonge. C'est la même chose. Le bodybuilding moderne, aujourd'hui, c'est un fake. C'est une fumisterie. Vous payez des billets. Ah, c'est nice à voir. Oui. Que tu trouves ça nice, j'en conviens. Moi, je suis un gars qui aime le vrai. Pour moi, le vrai culturiste, c'est encore le culturiste amateur. Pourquoi? Parce que les gars n'ont pas assez de budget. Fait que les gars, ils font quoi? Ils vont dans les gyms, ils tapent de la plainte, ils mangent comme des caves, ils dorment comme des ours. Puis ils s'entraînent comme des fous. C'est ça qu'ils font pour. Puis quand t'arrives là, tu vois des vrais physiques. 5 pieds 5, 5 pieds 7, 170 collés, striés, les points d'insertion, le balancement, la symétrie, l'esthétique. C'est ça le culturiste. On cherche quoi aujourd'hui, là? Là, tes organes sur un line-up, là, sont tous pareils. Ils n'ont aucune différence. Ils ont toutes des jambes, toutes des mollets, toutes des épaules, ils n'ont aucune carence. C'est impossible. Puis c'est drôle, hein? Ils ont tous le même problème de santé. Ils meurent tous. je sais pas, là, à un moment donné, là, si vous voulez encourager ça puis vivre là-dedans, ben faites-le. Si vous êtes omnibulé, ben, j'ai pas de problème avec ça. On accepte tout le monde. Puis moi, je prends toutes les opinions. Parce que si moi, le mien, je suis prêt à l'accepter, je suis prêt à accepter l'opinion des autres. C'est super important. Salut, madame. Donc, du moins, c'est super important de comprendre que dans toute cette dynamique-là, ce que vous voyez aujourd'hui, vous avez même des culturistes professionnels qui sortent puis qui disent, moi, je tire la plug. C'est fini. OK. The recent decision of Fouad Abid is one of the many reasons, but mainly because the bodybuilders want to focus on his health, and it's been interesting to see if his decision, otherwise, other followers will move forward. Donc, est-ce que Fouad Abid aujourd'hui fait une sortie pour parler? Est-ce que ça va peut-être faire en sorte que certains vont dire, hey, attends une minute. T'sais, on aime ça avoir une shape, on aime ça bien paraître, on trouve ça beau, on est fanatique un peu. OK, c'est beau. Jusque-là, je l'achète. On est-tu prêt à mourir? Il n'y a pas un joueur de football qui est prêt à mourir. Il n'y a pas un joueur de baseball qui est prêt à mourir. Il n'y a pas un Christ de joueur de volleyball qui est prêt à mourir. Hey, s'il vous plaît. Puis vous vous demandez après ça comment ça se fait qu'on ne verra jamais ce sport-là aux Olympiques. Questionnez-vous pas. Puis vous allez me dire, ben, tous les athlètes aux Olympiques sont dopés. Ouais. Sauf qu'eux autres, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'à un moment donné,
Si c'est pour te faire beau rire, on va commencer à se parler. OK? Alors, je vous traduis un peu. Donc, il a décidé, OK? Just like everything going on in hell, wild people, OK? De se servir un peu de sa tête, un peu, si on peut dire. A frisé un peu certains problèmes de santé. Donc, puis, il a fait un profil sanguin complet, total. Il n'a pas aimé ce qu'il a vu. Donc, ça ne lui plaisait pas nécessairement. Donc, jusqu'à un certain point, je vous le traduis au fur et à mesure. Ouais. C'est ça. Foi David parle tout simplement de faire le juste milieu entre bien paraître et être en santé. Donc, lui, ce qu'il est en train de nous dire là, il dit probablement que la majeure partie des gens qui vont m'écouter vont rire de moi. Mais il dit, moi, j'ai l'habitude de me tenir plus à peu près à 250, 260. Puis je pense que si I'm going down to 210 or 200, I just need something to put in my mind, you know, and not go so fucking crazy and nothing to focus on. Donc, le gars est en train de se dire que il sait qu'il pèse pas ça, puis il sait qu'il est soufflé, puis il sait que c'est faux. Fait que s'il continue comme ça, puis il voit ses chums mourir, le gars, il allume, il fait comme, hey, j'ai pas envie de mourir. Fait que le gars, il va garder un beau physique, une belle symétrie, une belle densité. Il va slacker un peu, puis il va se tenir plus léger, puis il va aussi bien paraître. Puis il sera pas le concours de la plus grosse ballonne soufflée. Alors ça, c'est un pro qui vous parle de ça, OK? Je vous parle maintenant des anciens bodybuilders dopés, John Gremec et Steve Reeves. Qui ont fait, je vous dirais, okay, le dopage dans ce milieu avait déjà cours. Le culturiste, à l'époque, ça existait déjà dans le monde du culturiste. Alors, un peu John Gremec et Steve Reeves n'ont pas échappé à cette tendance. Ils ont développé leurs muscles à l'aide de stéroïdes élaborés par le physicien américain John Bosley Ziegler. Okay, ce qui n'a rien à voir avec un guitariste de Black Sabbath, là, Ziegler Butler. Alors, il s'agit alors d'une substance dont les caractéristiques se rapprochent de celles du méthandrostenolone. Ben oui, c'est du dianabol, c'est à peu près tout ce qu'il y avait dans ce temps-là. Arnold Schwarzenegger avait pris discrètement du dianabol depuis son adolescence, ce qui lui a permis de gagner Monsieur Univers. Mais il détenait déjà un corps de rêve et une masse musculaire très impressionnante, due à un minimum de dopage. Tu sais, t'as 18-19 ans, tu ressembles à ça. Excuse-moi... T'sais, c'est pas les brioches autrichiennes qui t'ont monté des pipes, là. On va se le dire tout de suite. C'est pas ça qui s'est produit, là. Ah, OK? T'sais, à un moment donné, là, c'est pas le bœuf qui broute l'herbe dans ce coin-là qui est de meilleure qualité que les autres, là. T'sais, la Way New Zealand, fuck it up. C'est pas ça, on se parle pas de ça, OK? Donc, Wendy Legg a levé le voile sur le dopage de Arnold dans son livre Unauthorized Biography Arnold, publié en 90. On a commencé à en parler un peu. Écoutez, à un moment donné, c'est pas parce que c'est iconique. À un moment donné, il faut être capable de se dire les vraies choses. Tu sais, ces gars-là, dans ce temps-là, il y avait du Testo, du Primo, du Dianabol, du Winstrol V. Il n'y avait pas grand-chose. Et que les gars, ça s'entraînait pendant 3 heures, ça mangeait des calories comme des fous, ça dormait. Ouais. Ils sont arrivés à des très bons résultats, mais tu ne pouvais pas arriver à ça avec rien. C'est impossible. Tu as regardé les physiques des années 50, 60, 80, 90, 2000. Vous voyez très bien qu'il y a une escalade, là. Et c'est sûr qu'il y a une diversité de produits qui fait la différence. Larry Scott et ses amis, le concours Monsieur Olympia rendu populaire à la discipline du bodybuilding, Larry Scott, premier gagnant de ce concours, était aussi le résultat épatant de l'usage de stéroïdes. Ses amis sportifs lui avaient coaché. Alors, ses amis sportifs et lui étaient coachés par Vince Gironda, ont pris de façon homologue aussi le dianabol. Donc, on peut dire que dans ce temps-là, c'était pas mal de ça qui marchait. Bon. Parmi ces bodybuilders dopés, vous connaissez peut-être Don O'Worth, Rick Wayne, Mohamed Makawi, je les connais toute la gang. Leur formateur a toujours essayé de cacher la vérité sur ce sujet-là, mais bien plus qu'un simple sport, le bodybuilding était en fait une forme d'activité commerciale. Le bodybuilding était en fait une autre forme d'activité commerciale et l'est toujours. Ça fait des années qu'on vous vend des images, des photos, hein, des belles madames avec des belles rondeurs, des beaux bus, des belles fesses, des gars avec des gros bras, saillants. Il y a un prix à payer. Hein, ils te le diront pas que la fille était 2 œufs crevés. Elle s'en est fait poser, elle était à 12 000. Hein, puis qu'elle n'avait pas de fesses, elle s'est fait mettre, je sais pas, moi,
des implants ou du silicone ou du remplissage. Je ne sais plus comment est-ce qu'appelle ça à cette heure, tellement que je suis détaillé. Tu sais, ensuite de ça, on vous le dira pas, des fois qu'il y a des culturistes qui se sont fait mettre des implants, comme Arnold dans ses mollets parce qu'il n'avait pas. Hein, il y a plein de choses comme ça qu'on vous dira pas. On va vous vendre l'image. Je vous dis pas que c'est pas correct, je vous dis pas que c'est pas bien, je vous dis pas que j'ai pas acheté, je vous dis pas que j'apprécie pas, je vous dis pas. Au sein du bras, il y a une chose qu'on est capable de vous dire, c'est qu'on doit rester dans le vrai et arrêter de se mentir. Donc, de tous les temps, le dopage a existé pour tous les athlètes qui ont performé sur la planète Terre et peut-être même ailleurs, de façon pratiquement sidérale, ou voire même cosmique, intergalactique. Alors, les affaires de dopage connues dans le monde du bodybuilding, le recours au dopage en musculation, toujours en actualité, ça c'est intéressant. À partir de 2011, le bodybuilding a introduit des stéroïdes anabolisants dans leur corps en se servant de pistolets pour les vaches. Moi, je me rappelle de ça. C'est pas tout le monde qui s'en rappelle. Là, j'ai un de mes grands chums qui est en train de s'entraîner, là. Je dis pas son nom, OK? Pas d'affaire à voir ça. Mais lui, il a connu ça comme moi. Lui, il sait de quoi je vais parler. En l'espace de 3 ans seulement, de 2011 à 2014, cette technique a fait monter plus de 40% les cas de dopage interceptés. Ce genre de pistolet a été conçu pour accélérer le développement de la masse musculaire, des ébus, des vaches et du bovin. Ça s'appelait le Synovex. Je vais vous parler de ça. Avec, hey, c'est quoi ça, coach? Un instant. Il garantit les mêmes effets chez les hommes que sur le bovin, le bétail. Hein, c'est comme ça qu'on vous traite aujourd'hui, comme du bétail. C'est ça. Par contre, la valeur hormonale prend également des ampleurs à cause de l'introduction lente des substances dans le corps qui serait fatale pour la santé. Non, t'es pas sérieux. Eh, mon Dieu, je pensais que ça faisait rien. Ben oui. À l'époque, les enquêteurs de la cellule hormone se sont engagés dans des projets d'interception de substances de dope dans des centres de fitness. Un paquet de Synovex H accompagné de pistolets destinés à l'injection bovine ont été découverts et 8% des culturistes dopés sont des mineurs, d'après plusieurs études. La conclusion, c'est que les physiques musclées des bodybuilders n'est pas forcément l'œuvre du dopage. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Il existe des culturistes au naturel qui s'entraînent sainement, parallèlement à ceux qui se gonflent les muscles avec des stéroïdes et des anabolisants. Il est possible de reconnaître les bodybuilders dopés par la vitesse de progression et la prise de masse musculaire. C'est assez évident. Le Synovex. Bon, là, vous allez me dire, ça, coach, c'est quoi? OK. Moi, j'ai connu ça il y a plusieurs années. Ça, c'est du matériel vétérinaire. Ça, c'est un pistolet avec une capsule. Pac! Vous prenez ça, vous mettez ça en dessous de la peau du taureau, de la vache, en tout cas, peu importe ce que vous avez. Là, bon. Puis, c'est pour le vendre au poids plus lourd au marché. Fait que j'ai un bœuf de 1200 livres, pac! Synovex H, je mets ça en dessous de la peau. Mon bœuf de 1200, ça prend un mois, il est rendu à 1800. Je le vends. Je le vends au poids, je fais de l'argent. Le problème, c'est que t'as des cons qui ont essayé ça. Fait que les gars s'en vont, ils se font mettre ça ici, claque la capsule en dessous du bras. Le gars fait 172 livres. Ça prend un mois, il est rendu à 272 livres. Puis ça veut pas arrêter, là. Ça veut pas, là. Ça fait juste monter. Alors les tendons, les cartilages, tout est en train de chier, là. Tout est en train de débarquer, là. Parce que là, tu crées du muscle sur toi, là, ton corps, là, dans ce qu'on pourrait appeler le myostatin binder. OK? La maximum masse générée par le corps acceptable en frais de structure moléculairement physique conçue pour. Okay? Le corps ne peut pas prendre plus que ça. Moi, Marc-Antoine Grondin, j'ai commencé à m'entraîner, je faisais 187-190. Je me suis dégraissé à 154 et j'ai remonté. Aujourd'hui, je situe mon poids souvent environ entre 217 et 222. C'est à peu près là que ça se passe, dépendant de ce que je fais en fin de semaine. Si je mange une petite pizza de plus, ben c'est ça que ça va faire. Allez, bon. Au show du bro, je suis encore capable de vous dire que j'aime la pizza. Bon. Monsieur le régisseur, je vous vois l'eau à la bouche ici, j'ai des inquiétudes. Non, vous n'en aurez pas, restez embarrés. Coco-Spanier. OK. Donc, alors, c'est pas une joke. Il y en a qui ont essayé ça. Et après ça, il faut que tu fasses enlever la capsule pour que ça arrête. Et là, il y a des dommages irréversibles. Il y a des gens qui étaient prêts à ça. C'est pas une fiction, je suis pas dans Star Trek, là. Non, c'est pas ça. Non, c'est vrai. C'est pour de vrai. Il y a du monde à ses pompons pour ça. J'ai même un gars que je connais. Je dirais pas son nom parce que de toute manière, lui, il est condamné à rester un épais. Puis c'est pas une joke. Lui, il m'a déjà dit ça. Moi, là, si demain matin, là, on te disait, là, je vais te donner une pelule, demain matin, tu travailles comme Ronnie Coleman ou bien tu travailles mort.
t'apprendrais-tu? Ben, c'est comme de me dire, si je couche avec une fille qui a la média, demain matin, je me lève, je l'ai ou je l'ai pas. Ça m'intéresse pas. Non. Ben, c'est le même principe. Ah oui, moi, je vais l'essayer. Toi, tu vas l'essayer. OK. Vous voyez, il y a des caractéristiques de gens sujets à ça. Moi, tu me dis, demain matin, tu mets ta vie au vidange ou tout simplement, tu restes comme t'es. Ben, je vais rester comme je suis, là. Je pense pas que je sois si mauvais, là. En tout cas, du moins, je penserais pas, là. T'sais, j'ai 49 ans, là. T'sais, je suis pas un jeune de 22 ans. T'sais, je suis encore capable de voir qu'il y a une différence entre ce genre de physique-là, mais une chose qui est sûre, c'est que je pense qu'à mon âge, je transcende au travers des années, là. Puis je m'améliore, puis je suis plus gros, plus musclé, plus fort, plus raide aujourd'hui que je l'étais à 25 ans. La seule différence, c'est que mon squelette me ramène. Il y a des choses aujourd'hui que je sais qui se font, d'autres qui se font pas. Puis d'autres qui se font un petit peu, pas trop longtemps. Hein? Wisdom. Wisdom. What is fucking wisdom? C'est la sagesse. Okay. Donc, du moins, rappelez-vous toujours qu'il y a des gens qui seront toujours prêts à faire des choses complètement farfelues pour obtenir un but comme tel. Et je respecte ça, mais je ne le comprendrai jamais. Au champ du bras, on est en question. Alors, petit volet intéressant ici, parce qu'on parle souvent, je vous dirais, des cyclistes. Hein, les cyclistes sans terre, c'est les plus dopés. Moi, je vais vous parler de la mort du cycliste Marco Pantani, qui est enfin élucidé. 10 ans après le décès du cycliste italien, le nouveau rapport du médecin légiste contredit le seul fait que l'overdose de cocaïne serait à l'origine de sa mort. Ça part pas bien, là. Le gars, il est champion du monde de vélo, on parle de mort par cocaïne. Hey boy, la croisière s'amuse, puis c'est vrai. Hey, on s'en va faire le Tour de France. Hey, il te fait une barre, mon homme, de 4 pieds de long, là. Après 2 km, il a usé les rovers, faut qu'il échange. Hey, vite, vite, faut que j'y retourne. Il est fou dans la tête. OK? Bon, je vous dis pas que j'en connais pas. Dans le monde du bodybuilding, il y en a du monde de même. Dans tous les sports, il y en a. Dans toutes les sphères de travail, il y en a. Hein, tu sais, un ambulancier héroïnomane, un pompier cocaïnomane, je sais pas, un agent de sécurité voleur. Il y en a toujours pour tous les goûts, on s'entend. Du moins, on revient à ce gars-là, Marco Pantani. La mort du cycliste italien Marco Pantani a été provoquée par un mélange de médicaments et de drogues, affirme le médecin légiste de la nouvelle enquête du rapport, qui s'est procuré mercredi le 3 décembre 2014 à l'AFP. Ça doit être l'association de la Fédération de dopage, je ne sais pas trop quoi. Whatever, ça ne change rien, gars, il est mort. Excusez-moi. Mort d'une insuffisance cardiaque aiguë le 14 février 2004, Marco Pantani est mort d'une insuffisance cardiaque aiguë provoquée par un mélange de médicaments et de cocaïne, écrit le professeur Franco Tagliaro, OK, consultant du parquet de Rimini. Fouille-moi le parquet de Rimini, ce que c'est ça. Là. Moi, ça sonne juste la parqueterie, hein, là, peu importe. Suicide, c'est fait nouveau puisque 10 ans auparavant, les rapports ne parlaient que d'overdose de cocaïne. Seul ouvre la possibilité d'un suicide. Le décès peut avoir une origine d'absorption excessive d'antidépresseurs. Hey man, t'es sportif de haut niveau, man, tu prends des antidépresseurs. Hey, t'as-tu fini de te faire fournir par un corporatif qui a le cul galant dans le cul de l'État? Là? Ça va être beau, là. Fais penser à mon médecin de famille à moi, une espèce de métrosexuel. Il est bien fin, là, mais il m'a dit rien à faire. Là. Quand je suis dans son bureau, là, pis le petit pipi, le petit caca, il me parle de même. Hey, je viens s'insulter. Bon, je me croirais dans Passe-Partout sur le site. Ça n'a pas d'allure. On dirait qu'il me parle comme si j'étais une affaire tardée mentale de 8 ans. Le décès peut avoir. Oui, cette nouvelle forme d'information renforce également la thèse que le vainqueur du Gio et du Tour de 98 est mort seul et non victime d'un homicide volontaire, hypothèse avancée par l'avocat de la famille. Hey, tu sais, quand tu veux cacher quelque chose, là. Ah oui, il s'est fait tirer dans sa chambre d'hôtel, on sait pas par qui, on l'a pas connu, on l'a pas vu. À l'autopsie, il n'y a pas de balle dans le corps, il n'y a rien, mais il s'est fait tirer, on pense, là. Tu sais, quand tu veux vraiment cacher quelque chose. Insuffisance cardiaque. Lorsque le cœur n'arrive plus à exercer correctement sa fonction de pompe, on parle d'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque aiguë, dont les symptômes se manifestent brusquement, peut être causée par un infarctus du myocarde, une embolie pulmonaire, caillot de sang dans une artère, poumon, une anomalie grave du rythme cardiaque, t'sais, il vire comme un Harley sous l'idle, là, tu comprends ça? Et un traumatisme thoracique ou cardiaque, accident de la route, coup de couteau dans le cœur, tabarnak, gay,
Hey, je sais pas ce que t'as fait à ta machine, mais tu l'as tapé. Hein. Certaines maladies infectieuses graves, comme la myocardite fulminante ou encore la consommation de cocaïne. Elle m'a dit une affaire, je sais pas c'est quoi cette bébête-là, là, mais c'est tout un phénomène. La drogue seule n'aurait pas suffi. Alors l'hypothèse est la suivante. Il y avait en juillet 2014 déposé un dossier avec de nouveaux éléments pour défendre la thèse de l'assassinat du cycliste surnommé Pirate il y a 10 ans, entraînant la réouverture de l'enquête par le procureur de Rimini. Ah, alors Rimini, c'est un endroit. Paolo Giovaglioni. Vagnoli. Ah, ça se dit super bien. Je vais vous le refaire. Attendez un peu. Voilà. Paolo Giovaglioni. Ah, je l'ai eu. Je l'ai eu. Parfait, fantastique. Ah, monsieur le régisseur, vous n'arrivez pas à dire ça. Vous dites macaroni, vous trompez. C'est incroyable. Non, mais c'est parce que, tu sais, quand on a un cerveau gros comme un bois vert, c'est pas facile. Alors, dans son rapport, le professeur Tagliaro, dans ce comme un chanteur ici, qualifie de calcul de probabilité les hypothèses du docteur Francesco Avato. Écoute, il y a bien du monde dans cette histoire-là. C'est malade, on se perd, hein, c'est pas trop long. Mandaté par l'avocat de la famille. Hey, ça sent-tu mauvais, cette histoire-là? Le rapport du médecin choisi par maître D. Ranzis évoquait la possibilité de traces de lutte sur la dépouille en déduisant que Pantani aurait pu être contraint d'avaler une grande quantité de drogue pour le tuer. Hey! Il y a un gars qui est débarqué dans ta chambre d'hôtel avec un 45 qui t'a dit « Tu tapes le pot de pelule, voyons donc! » Hey, ça, c'est prendre le monde pour des colons, là. C'est voyons donc, c'est triste que quand tu veux cacher de quoi, hein. C'est comme ce qu'on vit là, hein. Quand on veut que vous cachez de quoi, on vous prend pour des cons, hein. Ben, c'est ça qu'on fait, OK? Alors, des éléments permettant d'envisager concrètement une absorption sous contrainte n'ont pas émergé. Les recherches du professeur Tagliaro, écrit dans son rapport, la drogue seule n'aurait pas suffi à le tuer. Tagliaro explique qu'il est nécessaire de procéder en laboratoire à des analyses beaucoup plus approfondies pour comprendre l'interaction entre les antidépresseurs et la cocaïne. Deux enquêtes ont été rouvertes par la justice de l'affaire Pantani, qui fait vibrer l'Italie pour la première, concerne la mort du pirate le jour de la Saint-Valentin 2004, dans une chambre de sa résidence, le Rose à Rimini, je ne sais pas trop quoi, là, côté Adriatique là, de l'Est de l'Italie. L'autre piste réexamine un éventuel délit de fraude sportive quand le coureur avait été exclu du Giro, qu'il allait gagner, pour une hématocrite anormale, le 5 juin 1999, à Madonna di Campiglio. Ah, il s'est capoté ce coin-là, hein? Le début du scandale et la chute de Pantani. Donc, vous voyez que quand il y a anguille sous roche, il y a vraiment une problématique vraiment qui est très lourde. Et que le dopage à lui seul ne peut pas expliquer tout ce qui peut se produire dans la sphère d'un athlète. Parce que on vous parle de ça, mais vous ne savez pas ce qu'ils mangent, ce qu'ils font, ce qu'ils vivent, ce qu'ils disent, ce qu'ils chisent. Vous ne savez pas ça. Okay. Par contre, il y a des choses qu'on est capable de savoir. Exemple, Dallas McCarver, ben, le gars qui l'entraînait, c'est le même gars qui entraîne Nick Walker. C'est le même. Même un matin, j'ai eu ça là, dans Génération Iron, dans mes mails, ça a rentré. Là. Le training de biceps de cuisse de Nick Walker. Hey, je suis parti à rire. Rendu là, entre toi et moi, là, qu'est-ce que ça change le genre de training que tu fais? Ça n'a plus aucune importance. Moi, le premier, je me mets 200 000 piastres dans le cul par année. C'est pas de savoir ce que je vais faire ici qui va faire la moindre différence. Je vais venir au gym, moi, juste me souffler pour me pomper, puis je vais sacrer mon camp. That's it. C'est plus une question d'effort, et c'est là que ça m'écœure. Moi, je suis un culturiste très intense, très agressif positivement dans la salle avec les poids, j'entends bien, et très bruyant, et très dynamique, et très engagé. J'adore pratiquer mon sport, et j'adore travailler fort. J'aime ça lever des poids lourds, puis il faut que ça torche. Ouais, ces gros tapettes-là, là, ils font plus ça aujourd'hui. Hey, ça me fait rire. Hey, tu vois, le gars, il se fait donner des haltères, il a des 130, il est là sur un banc incliné à 15 degrés, il est à 2,90. Là. Hey, il est couché sur le dos puis il respire mal. Puis il prend les haltères, il est là. Pac, fait 7 de 4, il est collé sa tête, il ramasse même pas. Là, il est là. Il se passe bon. Là. Sérieux, trouvez-vous d'autres modèles. Regarde, Sibom en a parlé il n'y a pas longtemps. Tu sais, on lui a dit, t'es un gars qui a un bon génétique. Tu sais, peut-être que t'as pas à te doser comme un cave à ce point. Si t'as un bon génétique, t'as pas à te doser à ce point-là, mon chum. Mais vraiment pas. Tu sais, c'est ça le problème aujourd'hui. Je vais vous donner une référence en finissant aujourd'hui. Championnat de la province 2003, Martin Allard. Sûrement qu'ils connaissent Martin Allard, le naturopathe des stars, mettons, je vais le dire de même, il y en a peut-être qui le connaissent comme ça. Martin Allard a eu une boutique pendant plusieurs années en supplémentation au Pro Gym de Montréal.
Moi, je me rappelle en 2003, quand j'ai compétitionné, on était backstage, on n'était pas 400. OK? T'as tous les championnats régionaux, puis après ça, tu t'en vas en province. Fait que les championnats régionaux, c'est peut-être 300 athlètes. Puis là, t'arrives à province, on est 80. La crème de la crème, on passe les gens dans le tamis. Hein, ceux qui restent dans le pot sont là, les autres sont partis, c'est normal. On sélectionne les meilleurs. Il n'y en a pas 50 000 des meilleurs. Alors, on était backstage, tout le monde. Et Martin Allard est avec son entraîneur, se déshabille, est en maillot. C'était fini, c'était réglé. Beau garçon, beau sourire, belle prestance, les rondeurs, les épaules, le collage, la symétrie. Il y avait quelque chose que personne n'avait cette journée-là. Et tu le regardais, puis tu dis, lui, il a la shape d'un champion canadien. Ben oui, c'est génétique. Tu peux prendre ce que tu veux, t'auras jamais cette shape-là. C'est tout. Faut que tu t'admettes ça. Hein, aujourd'hui, c'est pas ça qu'on fait. On prend tous les imbéciles qu'il n'y a pas, toutes les connasses qu'il n'y a pas, puis on leur met n'importe quoi dans le derrière, puis on leur dit « Ah ouais, tu vas être bon, tu vas... » C'est une histoire de cash. On est rendu dans le mercantilisme. On a perdu la qualité au profit, justement, de l'argent et du mercantile. Je m'en sacre, moi, dans un championnat, qu'on soit 400. Tu sais, si j'ai 300 jambons là-dessus, il est où le show, là? C'est comme les bikinis, là. Tu sais, moi, je vais rester bien poli, là. Hey, une danseuse ou une barmaid que t'as ramassé il y a deux semaines d'un bar parce qu'elle est rachitique grosse de même. Chris, pis ses tibias, c'est même pas mes avant-bras qui sont quittes à 20 000 en avant. Ah oui, elle est super bonne, là. Ah oui, ouh! Ah ouais, ben non. Comme le clown que j'ai vu sur stage en 2019 avec nous autres, qui était tatoué, là. Tatoué, là. Tatoué! Tatoué! Tu le vires d'abord, tatoué! Tatoué, hein? Il était tellement dosé, il était tellement soufflé, là. Moi, en arrière, backstage, quand il m'a dit qu'il était mi-lourd, j'y ai pas cru. Je croyais pas. Je l'ai regardé, je voyais, ce gars-là, il est pas à 198, c'est impossible. Impossible. Hein, non? T'as jamais revu ce gars-là nulle part, il est parti se cacher, ça a été fini. Il a fait un show de bodybuilding, hein? Il y a personne qui va te crisser sur un stage comme un pro. Il y a personne qui va t'amener en avant pour te comparer avec les autres. C'est pas ton physique le problème, mais du moins c'est parce que c'est juste parce que ton physique tu l'as acheté, il est pas à toi. Ça c'est une chose. Ce que ça a donné comme résultat, excellent. J'ai pas un mot à dire, tu nous as tous battus, tu nous as tous planchés, t'es arrivé rond, plein de tête, soufflé raide. Regarde, c'est beau, il est à toi, t'as gagné, c'est correct. Pour le reste, je te donne rien. T'es dégueulasse à regarder. T'es tellement tatoué, on la voit pas ta chaîne. T'es pas regardable. On peut pas vendre rien avec ça. Ça c'est une vérité absolue. Tu sais, aujourd'hui, on est prêt à prendre n'importe qui pour faire n'importe quoi, n'importe comment. Tu sais, moi, c'est pas des jokes. Dans ma salle, à moi ici, j'ai des gars qui ont plus de physique, qui ont plus de potentiel que ça. Puis ça, ils ne tentent pas d'aller sur des stages sans sac de ça. Pourquoi? Parce que ça, ils habitent pas, parce qu'ils le font pour eux autres. L'essence même de ce sport-là, c'est de le faire pour vous autres. Hein, des fois, on se met même pas en camisole ou en bedaine ici. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce qu'on fait, on le fait pour nous autres. On s'accomplit, on se dépasse, on travaille, on se réalise. C'est le fondement du sport. Et ça s'est complètement perdu. Complètement. Malheureusement. Alors, c'était la capsule pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Nous sommes dit live, directement live, au 3055 Boulevard Ravel, la 414 de Dumoulin. Le seul vrai gym à Québec où est-ce que vous êtes capable de vous entraîner dans le privé, dans la joie, dans l'amour, dans les restrictions, dans ce qui est demandé comme obligation, dans le niaisage, dans le mensonge, dans l'arnaque, dans le menterie, dans le crossage. En la cas du moins. Nous autres, on fait comme les autres, puis on y va comme ça, parce qu'on n'a pas le choix. Alors, au Dumoulin, on est facilement rejoignable au 418-204-8246. Le 418-204-8246. Faites-le 1 à l'extérieur de la région de Québec, ou le 00, parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que l'élitisme vous fascine, mais jusqu'à quel point elle est digne d'estime. Oh, ça, ça cogne, mon ami! Oh yeah! Alors, ça m'a fait vraiment plaisir de partager cette deuxième partie de capsule avec vous sur le décès des culturistes. Écoutez, j'ai d'autres sujets qui s'en viennent. Je vais aller faire des capsules aussi dans le prochain de David Tremblay. David Tremblay, le beau David Tremblay! Alors, je vais aller voir David Tremblay à sa shop directement. On va vous présenter en plus son brand. Il a tout refait son label. Parce que lui, avant, il était Planète Nutrition. Je suis pas gêné de le dire. Il était Planète Nutrition avant. Et chez Planète Nutrition, il s'est passé quelque chose de très malencontreux. Et David a décidé de devenir un indépendant. Il s'est fait son brand, il s'est fait ses affaires à lui. Il a rebâti son image, il a rebâti sa crédibilité.
très important. Et aujourd'hui, il nous présente une belle boutique de suppléments avec des bons conseils et des choses qui sont professionnelles. Alors, à Charny, je vous conseille, allez voir directement David. Vous sortez Charny, route de l'église, il est directement là à côté du Normandin, couche-tente à côté. Yes, sir. Donc, du moins, écoutez, c'était la capsule pour cette semaine. Très content de vous avoir eu avec moi. On va revenir la semaine prochaine pour d'autres matériels, même si on tombe un peu, excusez-moi, c'est intemporel les capsules, mais bon, on tombe un peu dans le temps des fêtes. Là, en ce moment-là, là, j'étais à une minute de fermer avec vous parce que je tombe en vacances, mais on va travailler là-dessus, faire des capsules et vous revenir et vous documenter. Entraînez-vous, restez en santé, restez vaillant et gardez les yeux vers l'avant et soyez engagés vers l'avenir et s'il vous plaît, éveillez-vous. C'est super important, OK? De toute manière, je vais vous dire une chose en finissant. Si on ne passait pas notre temps à vous en parler, vous ne sauriez pas que ça existe. Hein? On se revoit à la prochaine au Show du Pro!